Oui, c'était un jeu très populaire. Donc, j'ai commencé à jouer aux échecs, on peut dire, trop tôt, à 9 ans, D'accord. en Azerbaïdjan, oui. Donc, et j'étais plusieurs fois champion d'Azerbaïdjan à l'époque. Et quand j'avais 19 ans, j'ai déjà été membre d'équipe nationale. Et première Olympiade que j'ai participé, c'était à 19 ans. Quand j'avais 19 ans, c'était à Moscou, 1994. Ah oui, donc ça fait très très longtemps que t'es dans le haut niveau des échecs finalement. C'est ça. Moi, je peux dire que j'ai vu toute la génération des échecs. Donc, même les dernières fois, j'ai participé aux Olympiades en 2016. Donc, j'étais le seul joueur qui participait, on peut dire, plusieurs fois aux Olympiades avec la différence 12 ans. Parce que première fois, j'ai participé pour l'équipe en 94. Deuxième fois, c'était en 2016, 2006. Et troisième fois, c'était en 2016. Donc, au moins, je pense que j'ai déjà, c'était la troisième génération avec qui j'ai joué. D'accord, trop bien, trop trop cool. Ouais, du coup, effectivement, tu nous as parlé du fait que tu étais né en Azerbaïdjan et que tu as vécu la plus grande partie de ta vie en Azerbaïdjan. Comment ça se fait du coup que tu es venu en France? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu t'es venu en Oui, bien France? sûr. J'ai alterné, on peut dire que j'ai fait une étude d'économie aussi. Donc, pour nous, à l'époque, je ne pensais pas devenir des joueurs d'échecs professionnels, on peut dire. En 1996, j'ai fini mes études. Après, donc, comme c'était un pays qui, on peut dire, qui était en construction après chute soviétique, socialisme, on peut dire. Donc, j'ai commencé et je n'ai pas trouvé le travail. Je devais donner cours d'échecs dans ma ville natale. Et c'est jusqu'en 2001, j'ai recommencé à jouer aux échecs. Et en 2003, je suis venu en France. Je peux dire que pourquoi? Parce que quand j'ai recommencé ma carrière en 2001, je devais sélectionner pour l'équipe nationale en 2002. Mais D'accord. malheureusement, la fédération a pris une mauvaise décision. Donc, c'était à cause des fédérations azerbaïdjanaises ici, je suis en France, on peut Ah dire. d'accord. Bon bah on peut dire merci à la Fédération Azérie des échecs alors. C'est ça. Génial. Finalement, je dois remercier que je suis en France aussi. Est-ce que du coup, déjà ça te plaît la France et est-ce que avoir la nationalité française c'est aussi un but pour toi? Mais moi, quand je suis venu en France, moi, en plus, quand j'ai recommencé ma carrière, on peut dire, quand j'ai recommencé à jouer aux échecs, je voulais jouer juste pour plaisir et mon but. Et j'avais une but très courte. Je voulais être sélectionné juste pour l'équipe, pour participer aux Olympiades, on peut dire, par équipe. D'accord. Et parce que quand j'étais jeune, je veux dire que j'ai joué déjà pour l'équipe URSS aussi, quand j'avais 14 ans. Donc, je connais bien la génération. Je veux dire que cette génération, j'ai joué avec Kramnik, Kvyakov, Rublevski, même, je peux dire que vous. J'ai joué avec Stratescu aussi. Ah bah oui. Je suis cette génération. Donc, même j'étais membre de l'école Smyslov. Ah C'était la deuxième école en URSS après l'école de Botvinnik. Donc, après, c'est juste que quand j'avais 18 ans, j'ai pensé faire les études plutôt. Ok. Ouais. Mais jusqu'en 91, quand notre pays est devenu indépendant, par hasard, j'ai participé au championnat d'Azerbaïdjan junior. Donc, comme j'ai gagné, je suis devenu champion d'Azerbaïdjan,
je devais présenter mon pays en Inde, à Calicut, au championnat du monde junior. Donc, à cette époque-là que j'ai rencontré, donc c'est une belle, c'est très forte génération, je veux dire, 74. Donc, j'avais joué contre Miladinovic, Andrei Stratescu, par exemple, et la même Rublevski, il y a Onishuk, par exemple, qui vit en États-Unis. Donc, à cette époque-là, j'avais une base assez solide. C'est jusqu'à quand j'ai fait l'étude, je devais me concentrer sur mes études. Donc, j'ai un diplôme d'économie aussi. Et j'avais une. À cette époque-là, c'est juste que je voulais jouer pour plaisir, mais comme j'ai entré, on peut dire qu'en guerre avec la fédération, je voulais prouver mes capacités. Donc, Ah, je vois. je suis venu en France. Et en plus, je voulais aussi, j'aime bien voyager. Donc, la France, pour moi, c'était le pays lequel il faut visiter, au moins. Et bah Après, ouais. quand je suis venu en France, j'ai compris que je dois rester longtemps pour comprendre la culture Exactement. et apprendre la langue, qui était très importante. Donc, je voulais profiter que je suis en France. Après, bien sûr que ça m'a plu, donc j'ai resté et je préfère vivre en France. Mais autrement, moi, j'aime bien. Moi, je n'ai jamais aimé les formalités. Donc, et pour ça que pour moi, ce n'est jamais été un but de devenir français. Pour moi, c'est plus important de travailler, partager. Donc, le côté formalité, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, Ok. je pense C'est une très que. bonne réponse, je trouve. Donc, c'est ça. Donc, Et du coup, après, tu... je pense. Oui? S'il y aura occasion, peut-être, oui, bien sûr. Mais après. Moi, je vais dire aussi la vérité. Une fois, j'étais intéressé, ils ont me présenté une liste qui était très longue. J'ai dit peut-être un jour, ça sera plus facile pour devenir. Ouais, non, c'est clair qu'il faut... Je sais que comme nous aussi, on a immigré en France quand j'avais 9 ans, on a dû remplir plein de papiers, fallait fournir des justificatifs de travail, des justificatifs de ci, de ça. Et au final, je sais pas combien de temps on a mis à avoir la nationalité, mais c'est vrai qu'on a mis super longtemps et c'est clair que les formalités administratives, bon, c'est pas moi qui les ai faites, hein, c'est mes parents, mais je pense que ça a pas dû être une partie de plaisir, effectivement, c'est clair. Et du coup, tu disais que tu trouvais ça important d'apprendre le français. C'était difficile d'apprendre le français? Non, pour moi, ce n'était pas difficile parce que quand j'étais étudiante, j'ai déjà appris les grâce à échecs et grâce à mes voyages, j'ai appris les russes. Donc, j'ai D'accord. parlé, ma langue maternelle, c'est azéri. Donc, on peut dire que c'est le groupe turcophone. Et après, les russes étaient la deuxième langue plus importante dans notre pays. Donc, je parle URSS, mais. Et dans ma ville, il n'y avait pas de, on peut pas dire qu'il n'y avait pas de russe, je ne pouvais pas pratiquer les russes. J'ai pratiqué les russes pendant les voyages, pendant les tournois d'échecs. Donc pour moi, ce n'était pas difficile. En plus, quand je faisais études, je faisais beaucoup de traductions entre langues russes et azéries. Donc j'avais certaines, on peut dire, capacités pour apprendre la langue et j'ai appris très vite. Après, c'est vrai que c'était difficile à améliorer, mais. Et je voulais, parce que même le français reste une langue, une belle langue, mais la grammaire est assez difficile quand même. Ah, c'est clair, je peux confirmer ça. Ça, c'est clair. Et du coup, tu as un fils aussi, c'est ça, Namig? Il joue J'ai aussi aux un échecs? fils, oui, donc. Après, il était champion, il a 14 ans maintenant. Il a commencé à jouer très tôt, justement quand il avait 3-4 ans. Il regardait à côté de moi comment je bouge les souris, c'est quand je regarde les parties sur Internet, etc. Et il voyait les journaux, Europe Échec ou l'autre.
journal russe échiquienne, on peut dire. Donc un jour, il s'est réveillé, il a amené, il a venu vers moi avec l'échiquier déjà. Ah, c'est génial, c'est génial que ça vienne de l'enfant et pas justement, si c'est pas toi qui l'a poussé, si c'est lui qui est venu de lui-même, ça c'est génial. Oui, c'était impressionnant pour moi. Donc, à partir de là, on commençait à jouer, mais au début, je mettais les pieds sur l'échiquier, on bougeait sans poumon. Pour nous, c'était. On mettait les pieds sur l'échiquier. Après, c'est juste que je ne voulais pas pousser trop. Donc, petit à petit, il a appris à jouer aux échecs. Je pense que. Il avait déjà 7 ans ou 8 ans, il a devenu champion de la région ici à Chartres. Il est champion de la région dans la catégorie petit poussin, poussin, je pense. Et il a participé 4 fois au championnat de France. Super, très bien. Donc, c'est juste qu'aujourd'hui, on peut les concentrer plutôt aussi comme moi. À l'école, il y a beaucoup de Bien sûr. travail, donc. C'est normal. Ouais, tu penses que ouais, vaut mieux privilégier effectivement son avenir scolaire plutôt que la carrière de joueur d'échecs finalement. Moi, comme je vous dis, j'ai fait une brillante étude. Moi, j'ai fait étude aussi dans une école spécialisée en mathématiques. Donc, à la base, je suis mathématicien. D'accord. Donc, je pense que l'échec aide beaucoup à développer les capacités. Et ça peut aider aux enfants. Les enfants qui jouent aux échecs, on peut dire qu'ils sont plus à l'aise à l'école. Ils ont plus facilité. Et je pense que l'échec doit servir quand même à la science, finalement. Donc, je pense qu'il faut privilégier quand même, l'école. Bien sûr, comme complément, mais les échecs comme complément, bien sûr. Très Oui, bien. c'est ça. Et est-ce que tu as toujours habité à Chartres ou c'est-à-dire tu m'as dit que tu étais venu en France en 2003, c'est ça? Oui, mais c'était intéressant, mon arrivée en France. Donc, au début, je suis venu au tournoi Capelle-Lagrange, directement des tournois Aeroflot, parce qu'à l'époque, il y avait ticket et on peut dire promotionnel pour qui fait le tournoi Aeroflot. Donc, j'ai pris le billet Moscou-Paris. Donc, je suis venu à Capelle-Lagrange. Il y a une, comment dire, partenariat entre Capelle-Lagrange et Aeroflot. D'accord. Souvent, ils ont fait Aeroflot. Les joueurs qui jouaient Aeroflot pouvaient venir faire le tournoi Capelle-Lagrange aussi. Ah, je savais Oui, pas. Ok, génial. c'est en 2003, en 2004, même peut-être jusqu'à certains moment, ils ont continué ce partenariat. Et pour ça qu'il y avait beaucoup de grands maîtres qui jouaient à Capelle-Lagrange, qui venaient de Moscou, on peut dire. Après, c'est juste que je n'étais pas invité et j'étais classé 2300, autour de 2350. Je n'avais pas de conditions. Donc, j'ai décidé de faire le tournoi Saint-Agnan. Agnan, où tu Oui, habites, ouais, Agnan. exactement, à Agnew-Saint-Lô, ouais. Agnan-Saint-Lô, oui, c'est. J'ai fait, premier tournoi que j'ai fait en France, c'était Agnan-Saint-Lô. Ah, Donc, génial. il y avait un Open, donc j'ai terminé troisième, je pense, et j'ai connu l'arbitre Serge Desmouliens, qui Oui. était arbitre. Donc, Serge qui est malheureusement décédé oui, depuis. malheureusement, c'est son dernier tournoi, c'était à Chartres. Donc, Oui. l'arbitre championnat de France à Chartres. Donc, Oui. j'avais toujours un grand respect pour lui. Donc, j'étais content de le rencontrer. Et on avait une relation amicale, on peut dire, pendant tout ce temps-là. Donc, j'ai fait le tournoi Agnan-Saint-Lô. Après, j'étais invité pour le tournoi Nancy. Donc, depuis le tournoi Nancy, je suis allé à Saint-Lô, je suis allé à Nancy, où Christophe Philippe, qui était organisateur, c'est lui qui est directeur, qui travaillait pour la Fédération française,
dernier temps. Donc, je devais participer dans le deuxième tournoi. Il y avait tournoi B où j'ai remporté, j'ai gagné toutes les parties. J'ai fait 9 sur 9 parce que, et à l'époque, ce tournoi était destiné pour les joueurs talentueux, jeunes talentueux, locaux. Donc, il y avait beaucoup de jeunes. Je peux vous dire, si vous vous rappelez, Olivier Shaw, Thomas Adjane et Joaquin Iglesias qui était là aussi avec son frère. Donc, et ce qui était bien, comme j'étais expérimenté, gagné facilement. Ma partie, plus longue partie, durait maximum une demi-heure de ma part. C'est pour ça que les jeunes étaient impressionnés pour comment je peux jouer si vite. Donc, après, donc j'étais installé à Nancy. Donc, ils ont me proposé d'entraîner les jeunes. Justement, j'étais entraîneur de Olivier Chou qui a participé au championnat de France. Il était plusieurs fois deuxième. Ce qui était embêtant pour moi, il n'a jamais devenu champion de France. À chaque fois, dans les parties décisives, il perdait contre les concurrents, donc, mais il était classé autour de 2002-2300. Mais j'étais fier pour mon travail aussi à Nancy, parce qu'à l'époque, Échiquier Nancy, parce que j'ai joué pour l'Échiquier Nancy, c'était un grand club en France. Donc, et notre équipe jeune était partagée première place avec Paris Nao à l'époque, Ah oui. justement, oui, jouait premier échiquier, je pense que c'était Maxime Vacher-Lagrave. Ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait aussi Jules Moussard qui était à Nao, Sophia Flalo, ils étaient très très Oui, forts. il était, on peut dire qu'il était trop fêté, Gilles Moussara, à cette C'est vrai, époque-là. c'est vrai, c'est vrai. Donc, et j'ai vécu 1 an et demi à Nancy, D'accord. donc. Et après, bon, on peut dire qu'il y a eu des complications dans ce club et vous savez que ce club n'existe pas aujourd'hui. Donc malheureusement, c'était mal géré et finalement, j'ai quitté Nancy. Je suis venu à Paris en 2004 D'accord. et j'ai resté à Paris tout le temps. C'est juste que cette époque-là, quand je suis venu en France, j'avais un ELO 2340. Mais après, pendant 1 an et demi, je suis devenu presque 2600. Je suis devenu grand maître et j'ai gagné presque tous les tournois qui existent en France. Donc, non, il y avait une demande aussi. Quand je suis venu à Paris, justement, et c'est président de l'ancien club Tchescens qui proposé jouer pour leur équipe parce qu'il était motivé et que cette équipe monte au top 12. Et on avait un sponsor qui est très puissant, on peut dire. Donc, c'est moi qui j'ai créé cette équipe et on a monté au top 12 à l'époque. Génial. Et cette époque-là, justement, c'était en 2005-2006. Et Paris Nao, on peut dire que Madame Nahed Oje qui est partie, donc, et on peut dire que c'était la fin de Paris Nao. Et tous les joueurs qui jouaient pour Paris Nao, ils ont passé à notre club, Paris Tchescens. Donc, on a invité dans notre équipe, il y avait Christian Bauer et Étienne Bacro comme Français. Et après, il y avait étranger, c'était Mamed Yarov, parce que justement, quand on était à National 1, on cherchait quelqu'un qui pouvait être au premier échiquier, on cherchait quelqu'un qui est plus motivé. Donc, je pensais que c'était Mamed Yarov. On peut dire que c'est la carrière, c'était le début de carrière de Mamed Yarov aussi dans cette club. Il a fait 9,5 sur 11 au premier échiquier. Ah oui, quand Mais même, oui, donc il a devenu 2700. Mais malheureusement, notre équipe quand même terminé troisième au championnat de France en 2007. Et à cette époque-là, et donc je pense que je ne sais pas exactement, je pense que les sponsors n'étaient pas très contents non plus. Donc notre sponsor est parti et les Tchescens qui aussi, on peut dire que
En fait, t'es le chat noir des clubs de France, en fait. À chaque fois que tu joues pour un club et puis pouf, le club disparaît après. On souhaite pas ça à Charles, bien sûr. Oui, à cette époque-là, oui, j'ai eu une invitation à jouer pour plusieurs clubs, mais non. Et entre-temps, j'ai joué pour Bischwiller aussi. Ah oui. Et les meilleurs résultats pour Bischwiller, c'était en 2005, on était cinquième, je pense. Donc, moi, j'ai joué dans le premier échiquier, j'ai fait une norme de grand maître avec cette équipe. Et après, je suis parti pour CSKA. D'accord. Donc, j'ai commencé avec les échiquiers anciens, après j'ai passé au Bischwiller, après j'ai joué pour CSKA. Après, j'ai eu beaucoup d'invitations, mais après, justement, cette expérience, je n'ai pas trop apprécié, comme vous dites, que okay, toute l'équipe qui disparaît avec les sponsors, etc. Donc, j'ai pensé qu'il faut créer un club qui est sur une base solide. Donc, à cette époque-là, que j'avais rencontré notre président actuel, François Gilles. Donc, il m'a invité à jouer pour son équipe. Mais à l'époque, j'étais spécialisé dans les tournois Open. Et pour moi, jouer pour une équipe, ce n'était pas une priorité. Donc, j'ai pensé que, OK, je peux jouer avec cette équipe. Et je peux continuer à faire mes tournois et cela me ne dérangera pas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à jouer et j'ai quitté les top 12. On peut dire que pour une équipe qui était en National 4, Ah oui, d'accord. quand je suis venu à Chartres, donc notre équipe était National 4. Et quand j'ai terminé, après ma partie qui durait maximum une demi-heure, une heure maximum, les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu fais là? Donc, ils ont été surpris que j'ai joué pour une équipe en National 4. Mais le début, c'était difficile. Et Donc, puis après, petit à petit, ils sont montés jusqu'en top 12. C'est incroyable quand même cette histoire. oui, donc tout était bien jusqu'à National 2. Donc on a eu, même après, pendant 10 ans, on a mis peut-être 7-8 ans pour arriver à... Ah oui, quand même. Oui. On a raté aussi. Mais une fois, on a raté, monté au National 1. Deuxième fois, on a monté au National 1. On a raté aussi une fois, monté au top 12, mais c'était lié aux histoires avec Igor Rausis, avec Confréville. Confréville qui terminait première, on était dixième. L'année après, on a eu chance. Je peux dire que avec notre équipe, on a eu chance parce que c'est moi qui je devais gérer l'équipe. C'est pour ça que j'ai invité mes amis. On peut dire que mes amis qui jouaient avec moi toujours en Bundesliga ou même en France. Donc, ils pouvaient, comment dire, de temps en temps parce qu'ils n'étaient pas disponibles à jouer tous les matchs. En plus, nous n'avions pas un budget pour ce type de joueur, on peut dire. On avait un petit budget. Ouais, donc ça a aidé que qu'ils soient tes amis, quoi. Oui, en plus, je pense qu'on a monté grâce à notre équipe de base, quoi. Donc, j'étais fier aussi avec mon équipe. Donc, il y avait Jérémy Devalet et donc Victor Stéphane. Après, tous les anciens aussi. Donc, il y avait des matchs gagnés grâce à notre propre force. C'est Génial. comme, oui, donc, pour cette fois, j'étais fier de tout notre travail. C'est une belle success story. Et du coup, ça fait depuis quelle année que tu es à Chartres? Oui, après, depuis 2007 que je joue pour Chartres. 2007. Ok. Oui, en plus, avec le temps, moi, j'ai vécu presque 10 ans à Paris. Mais pour un joueur d'échecs, je ne sais pas, ça c'est bien, être à Paris. Mais pour vivre, on n'a pas assez d'espace, je pense. Ah bah, Moi, c'est j'ai sûr. besoin d'une ville plus calme. Je pense qu'à Paris, le temps passe vite. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je pensais que Chartres aussi, c'est un bel endroit, et vraiment un bel endroit pour vivre, car on n'a pas loin de Paris.
On peut prendre les avions ou trains. Moi, même depuis que j'habite à Chartres, j'ai continué à jouer pour mes équipes. J'ai joué en Allemagne, j'ai joué en Belgique et j'ai joué aux Pays-Bas. Donc, pour moi, c'est très pratique parce que je peux aller à Paris et après, je peux aller en Belgique ou en Allemagne ou Pays-Bas. Donc, ça, c'est très pratique aussi. Donc, depuis 2014 que j'ai été installé définitivement à Chartres. Ah oui, définitivement. Donc là, tu comptes plus du tout repartir en Azerbaïdjan, là, c'est sûr. Non, ça c'est sûr, même avant, D'accord. mais je n'ai jamais pensé aller en Azerbaïdjan parce que vraiment j'adore vivre en France. D'accord. C'est l'endroit qui me convient plus parce Ok. que à l'époque, même quand j'ai quitté en Azerbaïdjan, ce n'était pas à cause de quelque chose. Je pense que c'était plutôt parce que j'ai cherché un endroit où je peux vivre, ce que les gens me conviennent, la société qui me convient. Mais ça. C'est ça qui est plus important. Donc, la France me convient complètement. Je suis très, très content. Hyper cool, ok. Oui, Et donc, si je ne me trompe, t'es devenue grand-mère en 2005. Est-ce que tu peux peut-être raconter à ceux qui sont pas trop familiers avec le monde des échecs en général, à quel point c'est difficile de devenir grand-mère? Est-ce que tu penses que tout le monde est capable de devenir grand-mère en travaillant ou on doit avoir peut-être une condition spéciale pour devenir grand-mère? Je sais pas. non, bien sûr, je peux partager mon expérience parce que, comme je vous dis tout à l'heure, au début, je pensais que j'ai mis une deuxième fois, j'ai mis une but et un objectif très court. Je pensais que je vais gagner le championnat d'Azerbaïdjan, je vais jouer pour l'équipe, après, je peux continuer à faire tout ce que je veux. Mais après, au sport, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez mettre. C'est clair. Vous devez mettre un objectif long. Ça veut dire que. Donc, et pour devenir grand maître, justement, quand les gens me posent des questions, je pensais, moi, je dois être ouverte, sincère, je veux dire. Pour devenir un grand maître, je pensais qu'on doit survivre 3 fois. On doit survivre 3 fois. À chaque fois, il y a des étapes qui sont très dures. Parce qu'il y a des parties qui ça nous fait très mal. Ça, c'est clair. Donc, ça, ce n'était pas facile. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que je peux conseiller? Il faut travailler régulièrement. Il faut être courageux. Et donc, après, pour moi, je vous indiquais. Une partie où j'avais perdu tout à l'heure, mais c'est très difficile. Mais si vous comprenez votre travail, votre faute, donc ça sera plus facile. Jusqu'à là que vous ne comprenez pas, donc ça reste difficile. Mais Conclusion, analysez vos parties. non, après, c'est facile, il faut travailler régulièrement, il faut mettre un objectif au long terme et un jour vous arriverez. Ce n'est pas très dur. Je veux dire que c'est dur, mais pour moi, ce n'était pas dur. Je veux dire que je suis grand maître. Donc, il faut travailler régulièrement. Donc, il faut travailler. Il faut travailler, il faut être courageux, il faut jamais reculer, on peut dire. Tu parlais justement de quand tu perdais, tu disais que quand tu perdais c'était dur. Donc est-ce que t'as un petit truc à toi pour te remettre des défaites ou comment tu fais concrètement quand t'as perdu une partie qui était assez horrible et le lendemain comment tu fais en termes de comment tu réagis quoi? Mais après, je pense que mon avantage, moi, je vous dirai une chose et je vais être plus clair. Pour moi, c'est la fin de carrière parce que quand je vois que comme dit mon fils, c'est sa génération qui vient, pour moi, ça devient un peu quand même rigolo jouer aux échecs parce que j'ai vu toutes les générations. Par exemple, j'ai joué avec les gens qui étaient stars
70, etc. Mais je veux dire que j'avais rencontré Kramnik, Karpov, Vacher Lagrave était très jeune, même Jules Musard qui était enfant quand je suis venu en France. Mais aujourd'hui, c'est la génération de mon fils qui est en train de monter, on peut dire. Et donc, c'était quoi la question? Excuse-moi. C'était comment tu te remets Oui, d'une défaite? justement pour moi, c'était facile de se remettre parce que j'avais une philosophie à côté. Donc, pour moi, parce que je peux raconter une anecdote, parce qu'à l'époque, j'ai lu des livres d'Edward Cuffield. D'accord. C'est un grand maître qui était entraîneur aussi, Maya Çıbırdanidze, Ah oui. champion du monde Bien sûr. féminine, oui. Donc, il racontait une histoire qu'il a vu qu'il y a deux femmes qui discutent en bus entre eux, et une qui raconte que sa vie, tout va mal, etc. L'autre qui dit qu'il n'inquiète pas, c'est toujours comme ça. Si ça va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, quand il y a des parties, mauvaises parties, je peux oublier très vite. Pour moi, un professionnel, ce qui s'est fini, c'est fini. Moi, je me prépare déjà pour demain. Donc, je dois oublier. Il faut oublier. Après, je ne sais pas. Et peut-être il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais pour moi, c'était facile Ok. d'oublier les parties que j'ai perdues parce que je devais comprendre pourquoi j'ai perdu. Dès que je comprenais, je pouvais oublier. Et juste, je peux raconter aussi des histoires dans ma carrière. Une fois, j'ai perdu une partie, je peux dire que contre un joueur qui est moyen, n'était pas très fort. Et toute la nuit, j'ai pensé pourquoi j'ai perdu. Mais J'ai analysé, mais après, j'ai compris que la position était mauvaise. J'ai dit, OK, ce n'était pas ma faute. Donc, la position qui était mauvaise. Donc, après, je pense qu'il faut comprendre. Et en plus, dès que vous comprenez, je pense que vous pouvez gérer tout. Donc, d'accord, très bien. vous Ok, donc prenez. le plus important c'est de comprendre pourquoi on a perdu et après on peut justement s'éloigner de la défaite et prendre ça avec du recul. Ouais. C'est une très très bonne mentalité. Mais bon, quand même, oui. Oui, bien sûr. Après, je veux dire que ça, c'est une philosophie. Bien sûr qu'il y a d'autres choses à ajouter. Et je veux dire que quand vous jouez, votre objectif doit être d'améliorer votre jeu. Vous n'êtes pas là pour gagner. Pour ça que moi, je n'ai jamais conseillé à mes élèves que vous devez gagner aujourd'hui. Ma philosophie, c'était toujours complètement différent. Je disais que vous devez améliorer, vous devez prendre plaisir et vous devez jouer sérieusement votre partie. Donc, votre but, améliorer des qualités des jeux. Donc, et pour ça que si vous n'arrivez pas, ça veut dire que vous n'avez pas à ce niveau encore là. Donc, c'était pareil. Moi, je peux raconter la deuxième histoire, ce petit ajustement à votre question aussi. Est-ce que c'était difficile de devenir grand maître? Moi, j'ai raté seulement une fois, deux fois devenir la norme de grand maître. Première fois, c'était à Metz. Donc, peut-être c'était en 2004. Donc, j'avais 5,5 sur 7. Et huitième round, je devais jouer contre Mikhail Gurevitch. Bien sûr que pour moi, Mikhail Gurevitch, c'était une légende, parce qu'il était secondant de Kasparov à l'époque. Je le connaissais bien. Après, j'avais étudié ses parties quand j'étais jeune. Pour nous, c'était normal, parce que dans notre pays, il y avait des journaux, des échecs, etc., où on pouvait analyser toutes les parties championnat de l'URSS, etc. Donc, avant les parties, j'étais dans une situation psychologiquement délicate. On peut dire que si j'ai gagné la partie, je pouvais gagner le tournoi. C'était quand même tournoi Open de Metz, c'était toujours assez fort. Ou si je faisais nul, j'ai gardé les chances pour la norme des grands maîtres. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai joué avec les blancs. Je savais que psychologiquement, dans ma tête, je n'étais pas clair. Donc, j'ai proposé nul. Parce que peut-être j'ai senti que, OK, je n'ai pas d'avantage, etc.
Donc, bien sûr que mon adversaire refusait et j'ai perdu la partie. Donc, ça, c'était dur. Ces moments, c'était dur pour moi. Mais après, je me pose la question que non, on ne pouvait pas devenir grand maître si vous n'avez pas ce niveau. Donc, je n'ai pas ce niveau, donc je dois travailler. Je ne dois pas proposer nul dans une position, etc. Je dois être clair. Il y a des choses à améliorer, pas seulement sur l'échiquier, autour des échiquiers aussi. Donc, ça, c'est pour ça que pour devenir grand maître, il faut travailler. Et dès que vous avez ce niveau, vous arriverez. Donc, il faut travailler derrière, comprendre que vous devez. Moi-même, je conseille aux gens de regarder les parties de Kramnik ou un autre champion. Vous voyez la différence. Si vous voyez la différence, vous allez comprendre que vous devez faire travail pour éliminer cette différence. Très bien, super. Bon, bah, du coup, quand même, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai quand même demandé à un ami sa pire partie. Donc là, on va regarder, on va regarder ensemble. Mais même si c'est vrai que quand je lui ai demandé sa pire partie, il m'a dit, attends, je dois réfléchir. C'est vrai que t'oublies vite comment dire, les mauvaises parties. Et bon, tu m'as quand même indiqué cette partie-là. Donc voilà. On va la regarder un petit peu ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous dire le contexte un peu de cette partie? Oui, parce que c'était la première fois que j'ai participé au championnat de l'Europe. Donc, j'étais maître international. Et justement, j'ai commencé le début du tournoi, c'était très difficile. J'ai commencé avec un et demi sur quatre. Mais après, petit à petit, je suis revenu dans le tournoi. Donc, l'objectif, c'était gagner une partie et faire un nul. Et finalement, avant cette partie, j'avais plus un. À D'accord. l'époque, on pouvait dire que c'est... Non, j'avais plus deux. Si j'ai gagné cette partie, je pouvais faire plus trois. Je pouvais me qualifier pour la Coupe du Monde. Ah Et ouais. oui, il y a encore une autre chose. Et pour ça que quand vous m'avez posé la question, Oui. parce que, votre façon de poser la question que m'est obligé à réfléchir, parce que dans quel sens on peut dire que c'était ma pire Oui, partie. bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans cette partie. Donc, je pouvais faire la norme. Justement, avant cette partie, j'ai battu un autre une légende, Ulf Andersson. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai battu. En plus, la préparation était difficile pour moi parce que quand vous jouez avec les blancs, ce n'est pas facile de trouver une idée pour gagner quand votre adversaire est très expérimenté. Donc, c'était difficile. En plus, Ulf Andersson est connu pour son défense. Donc, finalement, j'ai combiné la préparation, j'ai trouvé quelques idées pour... Donc, justement, j'ai mené une belle partie. Finalement, j'ai gagné contre Ulf Andersson. J'ai pensé que je suis devenu grand maître, mais après, on a calculé qu'il me manque 3 points de performance. Ah. Donc, encore une fois, j'étais dans une situation délicate. Si j'ai gagné cette partie, je pouvais me qualifier pour la Coupe du Monde et devenir grand maître. Et pour ça que ça me fait très, très mal au niveau. Ouais, je comprends. OK. Mais en plus, je peux. Et pour ça que je vous dis, il faut survivre ces moments-là. Mais je dis que ça m'a intrigué. J'ai accepté le challenge. Mais je veux dire que... Vous voyez, ces moments-là, il y a une perte qui vaut trop, trop cher dans votre carrière. Je veux dire que si vous survivez ces moments-là, donc avec cette expérience, vous atteindrez votre objectif. Je veux dire qu'après 2 mois, j'ai fait la norme, dernière norme, avec une ronde en avance, avec une performance presque 2660 au championnat de Paris. Et D'accord. je veux dire que l'effet était très, très fort après cette partie, parce que ça me... Il faut que je n'oublie pas cette partie. Ok, très bien. Bon bah, ok, nickel. Bah maintenant qu'on a le contexte, effectivement, on peut se dire cette partie elle a dû faire mal, surtout vu la partie aussi qu'on va regarder tout de suite. Donc là, tu vois la partie, oui, sur l'écran?
Je pense que je ne vois pas Sur l'écran, mais... le stream. Oh, sinon je peux te faire un partage d'écran si tu veux. Oui, je pense que c'est mieux que vous fassiez un partage d'écran comme ça. Allez, on fait ça. On fait ça. Je vais partager mon écran. Hop. Ah oui, c'est super, oui. Ok, donc ça c'est mieux. C'est juste que du coup, j'ai perdu la réunion Zoom. Alors, 2 petites secondes. Évidemment, je fais un partage d'écran. Ouais, c'est le problème. C'est que du coup, j'ai perdu la caméra. Comment on va faire? Bien, je n'en sais. J'en ai pas le Après, moindre. si vous voulez, vous pouvez me dire les coups, je vois. Moi, Ok, je... allez. J'ai été obligée d'enlever le partage d'écran parce que sinon je vois plus votre caméra en fait. D'accord. Bon, ok. Non, c'est bon, je vois, pas de problème. Ok, et sinon vous pouvez regarder directement sur le stream, il y aura un petit peu de décalage, mais ça va. Oui, je vois. Ok, bon, donc E4-G6, D4-D6, oui. C'est juste que, vous savez, pour les grands maîtres, c'est très important les premiers coups. Parce que Tout à fait. normalement, Yefimenko ne joue pas G6, D6. Comme c'est une partie décisive, je vous dirai une chose. Ce qui m'a intrigué, comme je vous dis, je pensais gagner la dernière partie. Parce D'accord. qu'avant cette partie, j'ai joué avec les blancs contre Anderson. D'accord. Mais ils ont mis, doublé les blancs dans cette partie. Donc, je devais tout de suite jouer pour gagner. Donc, je pense qu'il a regardé ma partie. Il savait que, OK, Sicilien, son ouverture principale, donc c'est mieux. Et comme il devait gagner aussi, il a opté pour cette ouverture. Donc, D'accord. précise pour éviter toutes les prépas. Ouais, il a pour éviter les prépas et jouer pour le gain. D'accord. Je vois. Ok, donc fou G7, fou E2, cavalier F6, cavalier C3, petit roque. Et là, c'est quoi comme ouverture du coup? Ah oui, ça c'est le pire que Ouais. moi, comme je suis ancienne école, donc pour moi l'ouverture ne présente pas quelque chose. On doit développer les pièces, c'est le pire. D'accord. Donc j'ai choisi les variantes classiques. Donc Ok. j'ai développé les pièces, j'ai roqué et après on va jouer aux échecs. Ok, je vois. Très bien. Donc A6, A4, B6. Et là, tu commences déjà à envoyer un peu avec E5. Oui, parce que je pense que mon adversaire ne jouait pas correctement, donc D'accord. il n'a pas choisi les variantes pour égaliser. Donc il y Ok. a, on peut jouer pour égalisation. J'ai senti qu'il veut inventer quelque chose, donc j'ai compris que c'est le moment où donc je dois prendre l'avantage, on peut dire, ou punir mon adversaire Okay. pour les jouer incorrects, on peut dire. Très bien. Donc il a fait cavalier 8, fou F4, D5. Et là déjà il y a dame D2, C6, A5, B5. Et déjà je pense qu'il y a un bon avantage pour les blancs là déjà, non? Même au Oui, c'est 11e coup. ça. Ouais. Oui. Pour mon adversaire, c'était une situation difficile. Pour ça que je n'oublie pas cette partie. Mais moi, je voudrais une chose. Donc, j'ai observé mon adversaire aussi pendant cette partie. Et je ne pense pas qu'il pensait gagner cette partie. Mais il a sorti pour cette partie. C'était comme chance, quoi. Donc, et il a choisi son ouverture après. Il ne connaissait pas cette ouverture. Donc, c'est pour ça que j'ai bien réagi tout de suite. Donc, juste, il voulait tenter sa chance. Et pour ça que je suis content que j'ai pris l'avantage. Il m'a invité à jouer quelque chose que je ne connais pas, mais j'étais assez bon à ce stade pour prendre avantage. Tout à fait, effectivement. Ok, donc cavalier D1.
Cavalier C7, donc là, fois H6, on commence, on voit déjà que les pièces blanches vont se diriger vers l'aile roi. Fou E6, B4, c'est bien de fixer l'aile dame d'abord. Cavalier D7, tour A3, jolie idée de faire coulisser la tour. Cavalier E8, cavalier. Oui. Vous voulez, je peux ajouter quelque chose. Il y a Oui, oui, avantage oui. d'espace moi, et pour ça que les pièces peuvent manœuvrer facilement. Donc, Tout à ça, fait. c'est une manœuvre très connue, tour à trois, et je joue au troisième rangée. Donc, je veux dire que ce qui est important, compréhension positionnelle. Donc, et je n'étais pas mauvais à cette époque-là aux compréhensions. Sur quel comptait mon adversaire, je pense. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Oui, effectivement, comme le dynamique, c'est quand on a l'espace, on a tout. Justement, tout l'espace pour faire des manœuvres de pièces, effectivement, les blancs, c'est tout à fait ce qu'ils font. Très, très, très bien joué cette manœuvre avec tour 1, tour A3. Donc, F6, fou prend G7, cavalier prend G7, F4, on commence déjà à envoyer les pions à l'aile roi pour ouvrir des colonnes. Oui, pour prendre l'espace aussi. Ça, c'était le plan standard. Fou F5. Cavalier F2, dame C7, tour E3, tour F7, cavalier F3. Je vais un tout petit peu vite parce que on va bientôt arriver, je pense, à des moments très très chauds de la partie. Donc, si, par contre, oui, effectivement, Nami, comme tu le fais bien jusqu'à présent, si tu penses qu'il y a un moment important sur lequel je passe un peu vite, tu n'hésites pas à m'arrêter, bien Non, sûr. après, tu peux continuer. Je pense que, comme tu as dit, jusqu'à un moment, les plans étaient clairs, j'ai bien joué. Donc, Tout ça, à c'était fait. très important. J'ai pris tous les avantages et je commande, comment dire, j'ai renforcé ma position, j'ai amélioré ma position et j'ai augmenté mon avantage aussi. Donc tour à F8, G4, fou E6, H3, roi H8, roi G2, tour G8, fou D3, cavalier F8. Cavalier H1, donc on manœuvre toutes les pièces pour les mettre à leur position optimale. Cavalier fou C8, cavalier G3, cavalier FE6, tour EE1, F prend E5, donc et là ça commence. Cavalier prend E5. Je pense qu'en tout cas, jusqu'à là, mon adversaire, vu que j'ai bien manœuvré avec les pièces, donc tout était bien. Donc on peut dire que c'est fini les coups utiles pour le Nord. Tout à Après fait. le point E5, je pense que l'avantage devient décisif déjà. Effectivement, c'est que les Noirs, ils avaient tellement plus rien à faire qu'à un moment donné, ils se disent, bon, bah, je vais faire un truc et puis tant pis, quoi. Donc, effectivement, ils font E5. Et là, il y a avantage décisif, comme tu l'as dit, effectivement. Donc, tour F6, G5, tour FF8. Et donc, c'est là que ça a commencé. Donc là, tu as fait fou prend G6. Très très joli coup, je pense. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce fou prend G6? Oui, bien sûr. Après, à partir de là, la position était mûre pour l'action décisive. Donc, c'est pour ça que déjà, je sentais qu'il a rien à faire. Mais après, quand il y a avantage, il faut attaquer, comme on dit dans notre principe. Donc, fou G6, c'était le coup naturel et je savais que j'ai obtenu la position gagnante. Donc, c'était pour convertir, mon avantage. Ok, donc H prend G6, cavalier prend G6, roi H7. Et puis là, tu as fait dame D3. Est-ce que tu aurais pu aussi prendre la tour F8? Oui, après, je pouvais prendre. Ici, il y avait, ce qui ça me fait mal, il y avait plusieurs façons de concrétiser cet avantage. Exactement, Mais exactement. peut-être le problème était là. J'ai mis beaucoup le temps entre Dame D3, mais peut-être Dame D3 reste le meilleur coup. D'accord. Parce qu'après F5, F6, etc., donc le cavalier en G6, c'est plus fort que tour en F8, on peut dire, Ok. pour le moment.
Je pensais qu'il peut faire une blockade, etc., sur les cases F5, etc. Donc, je pensais que dame D3, c'est plus efficace. Mais malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps et ça, c'était le cas pour lequel j'ai perdu la partie aussi. Et la fin de partie, j'ai joué avec le temps au 7 notes, on peut dire. D'accord. Effectivement, oui, c'est clair que quand on a le choix entre plusieurs bons coups, c'est très difficile de choisir eh ben, le meilleur et du coup ça prend du temps et puis à la fin de la partie, c'est là qu'on commence à manquer de temps alors que c'est aussi nécessaire, c'est clair. Donc ouais, là choisir entre plusieurs bons coups, c'est pas facile du tout. Mais donc dame D3. Et là, tour F5. Il y a des questions sur le chef. Il pose combien de temps? Ça, c'était 1 heure et demie plus 30 secondes et peut-être 15 minutes ajustement, peut-être. Voilà. Ça, c'est les cadences classiques officielles championnat d'Europe à l'époque. Donc, tour F5, tour E5. Ça, c'était bien joué. Cavalier C5. Puis on prend. Donc là, il a été obligé Oui. de sacrifier une pièce, là. Oui, c'est ça. Donc, j'étais fier pour tous les coups. Tous les coups étaient meilleurs. Et c'est juste que cavalier C5, ça, c'était, on peut dire que les coups, un coup comme ça c'était, on pouvait dire qu'il est en train d'abandonner presque. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, c'est pour ça que cavalier C5, mais le problème, c'était le moment décisif. Mais dès pour ça pouvait terminer vite, et en plus, on voit qu'après, P point C, c'était faute. Donc, ici, je ne savais pas. Mais après, je pensais que, comme on a des principes, on doit prendre vers le centre. J'ai décidé de prendre vers le centre. Mais ici, P point C, c'est mieux. Ça nous donne encore plus d'espace et les cases de 4. Effectivement. Et bon, Ça, mais c'est. penser, c'est pas une faute non plus, hein. Tu as toujours un gros avantage avec les blancs. Oui, c'est ça, oui, c'était. Oui, on est d'accord. Donc, on reprend G6. Là, tu as fait H4. Tour H8. Tour H1. Dame D7. H5 échec. Roi F7. Et là, tu fais H6. Tu as fait H6 et donc finalement, apparemment ce n'était pas le meilleur coup, mais probablement. Alors tu voulais jamais la prendre cette tour en F5. Oui, mais je pensais que la position, comment dire, c'était complexe aussi. Ouais, bien sûr. Je ne savais pas. Ça, c'était une partie très. Pour moi, c'était ma Bien sûr. première partie, on peut dire, qui est très, très haut Tendu. niveau. Pourquoi? Même les gens posent la question. Quand vous jouez au championnat d'Europe, 1 heure et demie, ce n'est pas suffisant. Quand vous jouez contre un grand maître, Ah ouais, c'est clair. c'était un prodige ukrainien à l'époque. Je veux dire qu'on s'en manque du temps toujours. Mais. Mais après ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps, mais après, peut-être aussi psychologiquement, c'était dur de choisir. Je ne savais pas comment conclure la partie, peut-être. Donc, je ne voyais pas les chemins clairs, peut-être. Ou je pensais que H6, c'est le meilleur. Bah, je sais, ça a l'air très très bien aussi, hein. Ceci dit, là, il a même pas fait le meilleur coup, donc tour prend F4, là c'est toujours gros gros avantage blanc. G6 échec, roi G8, dame E3, tour G4, H7, roi F8. Non, après, vous voyez, quand vous avez pion H6, Ah G6, ouais, c'est clair. donc je pensais qu'un pion doit passer, mais c'était miracle, la défense aussi. Donc là, on peut quand même noter que les blancs ont une pièce de moins, mais effectivement, comme le dynamique, les deux pions H et G qui sont tellement avancés que ça vaut largement une pièce. Ok, donc roi E8, dame H6, cavalier E6, roi H2, bon, pourquoi se presser? Tour F1. Bon, et là, peut-être, apparemment, il avait raté ce cavalier prendre D4, mais c'était extrêmement difficile à calculer. Cavalier prendre D4, tour prend E7, c'est hyper difficile à calculer, je pense.
Oui, je pense qu'au début, je pensais que le pion doit passer, mais le pion pas passé, donc j'ai cherché quelque chose. J'étais en Saint-Thomas ce Ouais, moment-là. c'est clair. Donc, dame C7, et là tu as fait tour E3, et c'est là où c'est. Donc, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'était. Finalement, l'erreur, c'était ce dame H6. C'est ça? Oui, c'est possible. En tout cas, moi, je n'ai pas regardé depuis longtemps. Je pense Ouais. que ça, c'est une position assez complexe. Hein, mais, donc, je dois jouer tour F7, c'est ça? Apparemment, ouais, tour F7, apparemment, c'est très gagnant. Oui, c'est ça. Donc, je m'appelle que. Même, je m'appelle que j'ai raté au moins 3 fois de Ouais. dans cette partie. Mais bon, Donc, dame H6, ça a l'air bien aussi. Ouais. Et là, en fait, à chaque fois, tu devais jouer tour F7. Et peut-être que roi H2, c'était un petit peu lent. Et ensuite, ouais, clairement. La tour, elle devait aller en F7, puisque là, apparemment, la tour F1, c'était une faute. Et puis après, tu as laissé prendre A5, et là, c'était la catastrophe. oui. Même si il a pas été non plus super précis. C'était vraiment une partie super, super tendue. C'était incroyable. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie? C'était vraiment Ah, il suspect. était trop stressé. C'était une partie très chère. Et je veux dire qu'il était qualifié pour la Coupe du Monde après cette partie. Donc, je pense qu'il a trié toutes les parties. Donc, Donc, dame C7, ouais, et là, tu as fait tour prend cavalier, puis ensuite, malheureusement, c'est pas du tout allé pour les blancs, même je c'est. pense qu'après dame A5, etc., dame C7, Ouais. donc c'était fini. Mais c'est ça, à un moment, tout est changé. Donc j'ai perdu l'avantage, il était gagnant, il a concrétisé. Mais c'était horrible. Donc j'ai fait une belle partie parce qu'il me donnait l'avantage d'espace. Après, j'ai bien développé. Donc j'ai montré une compréhension positionnelle de haut niveau. J'ai trouvé, vous voyez, H3, G4, fou D3, etc., cavalier H1, cavalier G3, c'était bien, On c'était peut propre. refaire toutes les manœuvres effectivement des blancs. Donc déjà F4 pour prendre l'espace. Ensuite on va pousser G4, H3. Et puis effectivement comme le dynamique, donc fou D3, le fou est sur sa case optimale en D3. Le cavalier qui va en G3, c'était très très beau au niveau des manœuvres, ça c'est clair. Et puis là ici, fou prend G6, très joli pour concrétiser finalement. Faut prendre G6 pour concrétiser. Et puis c'est quasiment fini. On croit que c'est quasiment fini. Et puis malheureusement, il fallait être un tout petit peu précis avec les blancs. Et ouais, c'est pas. C'est très difficile. Elle fait beaucoup de peine cette partie. C'est vrai que même moi qui la regarde, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment dommage de pas avoir gagné cette partie. Mais d'un autre côté, effectivement, comme tu le disais, Namik, ça forge le caractère. Cette partie, elle t'a fait mal pendant longtemps, mais ensuite, t'as pu rebondir davantage, non? Oui, mais finalement, c'était payant cette partie, parce qu'en Ouais. 2011, j'ai gagné les dernières parties avec les Noirs à Aix-les-Bains. J'étais qualifié pour la Coupe du Monde. J'ai battu avec les Noirs et les grands maîtres polonais et Barthel D'accord. Mateusz. Dernier round, et j'ai réalisé mon rêve aussi, être qualifié pour la Coupe du Monde. C'est génial. Ouais. Incroyable. Bon, bah, hyper cool. Au final, ça s'est transformé en success story, même si cette partie, elle a fait très très mal, je le conçois. Donc, effectivement, comme tu nous l'as expliqué avec le grand enjeu qu'il y avait, etc., c'était très difficile de perdre cette partie. Mais. Comme tu l'as aussi rappelé, il est très important d'avoir compris pourquoi
pourquoi on a perdu et de pas justement de pas se focaliser sur sur une défaite et essayer de comprendre par le travail et puis de passer à autre chose finalement. Ok, très bien. Donc du coup, oui, c'est vrai que on a pas mal parlé de, donc de tes participations aux Open. Donc là, toi, t'es réputé être un joueur d'Open. Ma question, c'est la suivante, un peu plus dans les détails financiers cette fois. Est-ce que c'est difficile de vivre uniquement du fait de jouer? Après, vous savez, encore une fois, pour moi, ce n'était pas difficile parce que peut-être j'ai gagné souvent les tournois Open. Donc, mais jusqu'à un moment, c'était bien. Même, c'était. Et tu trouves pas que c'est une situation précaire de devoir gagner pour manger à la fin du mois? Mais moi, j'ai jamais pensé à ça. Il faut ça que. Mon objectif, c'était bien jouer aux échecs. Ouais, hyper cool. Hyper cool quand on pense à rien d'autre, franchement. Moi, les gens me posaient des questions. Je pouvais gagner le tournoi et je pouvais faire très, très mal le tournoi. Je pouvais faire catastrophe. Ça, c'était, pour moi, c'était normal aussi. Donc, mais bon, je veux dire que j'aimais beaucoup gagner le tournoi. J'avais plusieurs stratégies pour gagner le tournoi. Et c'est ça. Ça me faisait plaisir donc aller dans les tournois faire ces stratégies donc c'est l'action qui m'intéressait le derrière moi j'ai jamais pensé à autre chose sauf Trop que bien. je peux dire la réalité comme professionnel peut-être dans certains cas j'étais plus prudent dernière ronde etc. Je ne voulais pas louper à cause d'une partie même j'avais des quelques principes aussi pour le risque. Je prenais le risque quand il faut. Si c'était cinquième round, si l'adversaire avait 4,5 sur 5 et j'avais 4 points, je dois gagner avec les noirs. Pour moi, ce n'était pas obligatoire. J'ai respecté les jeux d'échecs, j'ai respecté ces principes. Donc, et pour ça que même quand je perdais, je disais que je n'ai pas fait correctement. C'est tout. Donc, pour ça que donc, je pouvais faire mauvais tournoi, mais j'ai gagné assez. Donc, et je ne pensais pas à autre chose. Ok, très bien, très bien. Moi, je pense que c'est vraiment la bonne mentalité pour jouer aux échecs, en tout cas de manière professionnelle. Mais après, c'est vrai que quand il y a l'aspect financier qui rentre en jeu, et pour certaines personnes, ça peut devenir vraiment compliqué. Mais en tout cas, c'est hyper Oui. bien que t'aies réussi à faire abstraction de cet aspect-là. Mais ça, je peux comprendre. Et pour ça que je ne voulais pas toucher cette question, parce que vous devez rester professionnel Bien toujours. sûr, bien sûr. Et vous devez respecter toutes les choses, parce que pour moi, c'était plus important de respecter même une raison qui était l'Azerbaïdjan, parce que la fédération, j'ai considéré que la fédération n'a pas respecté les principes sportivité. D'accord. Je devais être sélectionné pour l'équipe. Ils ont dit que, OK, on a choisi un autre joueur, je ne sais pas pour quelle raison, je ne comprenais pas. Si j'étais troisième derrière, on peut dire à l'époque, c'était Mametyarov Kuseynov, où il y avait derrière moi, il y avait deux autres joueurs qui étaient pris pour l'équipe. J'étais troisième et ils ont refusé que j'entre dans l'équipe. Mais je veux dire que pour moi, c'était essentiel. On doit respecter les principes. Donc, la même chose que je dois jouer aux échecs. J'ai essayé. Quand j'ai respecté tous les principes, tout était bien. Si je faisais mauvais, ça veut dire qu'il y avait des choses que je ne faisais pas, n'étaient pas faites correctement. Et pour ça que je pouvais survivre. La perte, c'était ma faute. Je pouvais accepter mes fautes aussi. Et donc là, t'es entraîneur du club de Chartres. Concrètement, dans la vie de tous les jours, comment ça se passe? Oui, à partir d'un moment, comme je vous dis, je devais préparer notre jeune aussi, notre joueur français. Et depuis qu'on est National 2, même moi, j'étais fier. Une fois, on devait jouer un match contre une équipe à côté de Nantes où
il y a des jours, l'équipe était très forte. Donc, on a fait les préparations et notre capitaine actuel, Sébastien Sobry, qui gagnait une partie très importante contre son adversaire qui était largement favori. Donc, on a gagné le match 3-1. Donc, je veux dire que moi, je gère le club. Donc, après, j'aide aussi comment organiser les cours, etc. Moi, je préfère travailler avec un programme pour tous les niveaux. Après, principalement, je suis entraîneur de l'équipe. D'accord. Mais je participe aussi, bien sûr, que je travaille aussi avec Alireza Fridja. On va en parler un tout petit peu plus tard. Effectivement, bien sûr, ça allait être un des sujets, forcément. Mais ouais, ok, très bien. Donc, tu entraînes surtout les joueurs de l'équipe adulte et puis tu gères le club aussi. D'accord. Oui, les enfants aussi, même j'ai participé comme entraîneur hier au championnat de France. J'étais entraîneur de la Ligue aussi à Belfort. Je D'accord. veux dire que s'il y a des occasions, je travaille avec les jeunes aussi. Donc, moi, après, pour moi, c'était un plaisir de travailler comme entraîneur. Moi, j'ai pratiqué cette expérience depuis 1996, quand j'ai fini mes études. J'étais entraîneur dans ma ville, je veux dire. Donc, moi, j'aime bien travailler. Pour ça que si ça passait mal au tournage, je pouvais prendre plaisir en travaillant avec les jeunes. Super, nickel. Et donc, je voulais te poser la question aussi par rapport à François Gilles, donc qu'on salue, qu'on avait déjà évoqué plus tôt. Je trouve qu'il donne un gros coup de pouce à ses joueurs. Je trouve qu'il fait plein d'initiatives super cool pour les joueurs de ses Chartres, notamment. Le dernier tournoi de Grand Maître hein, qui a surtout été organisé pour que, par exemple, Marc-André Amrédy joue. Donc, est-ce que tu es content de toutes les initiatives que fait ces Chartres Échecs, en particulier François Gilles? Oui, je suis très content parce que normalement, je pense que c'est notre travail. Parce qu'à l'époque, j'ai travaillé pour certains clubs. Justement, comme mon fils était né, j'ai travaillé 6 mois pour un club à côté de Paris. J'ai entraîné l'équipe. Mais après, ce qui ça m'a gêné, moi, je suis d'accord qu'il y a des enfants qui apprennent à jouer aux échecs pour plaisir. Mais si quelqu'un qui est doué, on doit offrir aussi une condition qu'ils peuvent se développer, ils peuvent réaliser ses capacités. Donc, on reste sur cette philosophie. Donc, notre but, développer les jeux d'échecs dans toutes les régions. Donc, Centre-Val de Loire, pour moi, c'était très important. Parce qu'au début, quand je suis venu au Centre de Val de Loire, j'ai vu tout de suite la différence entre Lorraine, Alsace et Centre-Val de Loire. Parce que je peux dire que les Lorraine et Alsace, l'échec là-bas, c'est plus fort, c'est bien développé. Donc, et pour ça que mon but n'était pas seulement jouer pour équipe, notre but, développer les jeux d'échecs dans toutes les régions. Donc, ce qui est bien, on doit inviter beaucoup de gens, si on veut quelqu'un qui montre ses capacités, on doit inviter, on doit offrir notre jeu et proposer en masse. Je veux dire donc notre but est que beaucoup des enfants apprennent les jeux d'échecs à Chartres. Mais même chose que pour mon fils, au lieu de jouer avec téléphone, etc., je le propose résoudre un problème aux échecs. Pour moi, c'est plus efficace que de jouer un jeu de vidéo sur son téléphone. Donc, il pour ça que si on a des jeunes talentueux, quelqu'un qui veut se développer, on doit assurer ça aussi. Donc, et pour ça que je suis content pour les travaux qu'il fait François. Donc, et je pense que, comme je vous dis, notre but est créer un club avec un fondement très solide.
Donc, on a besoin, les enfants, on a besoin des jeunes sur place, local, les enfants. Après, un jour, si quelqu'un qui est doué, on offre cette possibilité de développer ses capacités. Donc, c'est pour ça qu'il y a la même chose que vous voyez, les résultats sont là. Même, je pense qu'on peut parler de Alireza Bien sûr. Firouzja qui est bien monté. Il y avait des mauvais moments aussi parce qu'il a fait un mauvais tournoi à Saint-Louis parce qu'il était gagnant aussi contre Kasparov en première partie après. Mais la même chose on doit organiser beaucoup de tournois. Si on veut entretenir un club, on doit organiser les tournois aussi. Donc, ça, c'est dans notre stratégie. Donc, et pour ça qu'on pense aussi organiser des tournois pour les enfants, etc. Donc, je pense que avec on arrive petit à petit, on va arriver. Non, carrément, je trouve que c'est une initiative géniale pour encourager justement les jeunes qui montent du club, etc. C'est vrai qu'il y a d'autres clubs qui ont les moyens de le faire, mais qui ne le font pas parce qu'on ne sait pour quelle raison. Mais c'est clair que c'est. Moi, je trouve que c'est très très louable de la part du club de Chartres d'organiser tous ces tournois et de faire et de tout faire pour que les jeunes joueurs très prometteurs Moi, progressent. je vous dirais une chose. Je pense qu'on a besoin de toujours des professionnels. Bien sûr que il y a un programme que vous pouvez montrer tout de suite les meilleurs coups. Mais ça, c'est un programme. On a besoin des gens qui peuvent réfléchir comme une machine. Moi, je pensais qu'on a besoin toujours de professionnels qui nous montrent les beautés du jeu d'échecs. Donc, ça, c'est très important. Et pour ça que moi, je pense qu'on doit respecter, on doit faire toutes les conditions que les professionnels peuvent vivre avec les jeux. Pour moi aussi, c'est la fin des échecs si on supporte pas les professionnels. Très bien, très bien. Et donc, effectivement, tu mentionnais tout à l'heure que tu entraînais à l'IRESA. Concrètement, vous faites quoi pour vous entraîner? Mais les échecs, il n'y a pas de secret, il faut travailler, vous pouvez faire différentes choses. Mais pour moi, je vous dirai une chose. Pour moi, toujours, c'est le principe qui est très important. Comment vous organisez pour le tournoi? Quand j'étais jeune, parce que je suis rentré aux équipes URSS à l'époque. Mais quand j'étais jeune, pour moi, il y avait des tournois d'entraînement où je devais pratiquer, je devais prendre plaisir. Mais il y avait des tournois où je devais montrer les résultats. Ces moments-là, c'était très important. J'ai joué pour le résultat. Pour moi, ce n'était pas entraînement. Mais après, on améliore notre faiblesse. La faiblesse, pour moi, les joueurs d'échecs, comme disait Kotov, on a besoin de trois qualités, le calcul, compréhension positionnelle et technique plus technique. Donc, on s'est amélioré et en plus, vous devez être plus fort physiquement et mentalement. D'accord. Donc, au moins, il y a cinq choses qu'il faut améliorer toujours. Mais vous savez, à chaque niveau, il y a du travail. C'est ça le problème. Moi, quand j'étais maître international, quand je voulais devenir grand maître, je pensais, pour moi, c'était bien. Quand je suis devenu grand maître, ah, j'ai compris que c'est plus dur qui commence. À chaque jour, je dois prouver que je suis grand maître. Donc, et pour ça que pour moi, ça restait toujours un objectif. Quand j'ai entré dans un tournoi, je ne pensais pas à autre chose. Je savais qu'il y a des gens qui regardent mes parties, je dois montrer quelque chose bien, je dois bien jouer. Mais donc, c'est ça. Donc, on fait tout le nécessaire, tout le travail dans cette direction. Il peut montrer ses talents, il peut jouer au Donc vous niveau. travaillez tous les compartiments de jeu finalement, c'est ça? Comment? Vous travaillez tous Oui, les compartiments du jeu. bien sûr. Il y a des améliorations parce que moi, les calculs, vous pouvez, pour les débutants, quand vous êtes débutant, vous travaillez pour ce niveau. Après, quand vous passez, si vous voulez calculer comme un grand maître, c'est différent. Vous devez travailler à ce niveau-là. Et pour ça on voit qu'Alireza Firouzja dans autre niveau. Pour moi, c'est dur. Moi, je peux dire aussi sincèrement que, mais ce qui est important, je comprenais pourquoi.
Parce que moi, je pouvais être peut-être 1650, 1700, mais je ne voulais pas. Je savais que ça, c'est un travail que je dois faire. Normalement, je ne peux pas. Je veux dire qu'il faut être réaliste aussi. Mais après, je comprenais, je savais. Et pour ça que je pouvais faire très bon tournoi, parce que je savais comment faire. Et maintenant, je sais que dans ce niveau, il faut travailler différemment. D'accord. Maintenant, même pour moi, c'est un autre niveau. Donc, ça prend, on peut dire, l'énergie, ça prend, et c'est quand même, c'est pas facile. Parce qu'on doit améliorer. Je veux dire que moi aussi, je dois améliorer, mais comme entraîneur à côté, mais on peut. Et justement, qu'est-ce qui le différencie des autres, Firouja? Est-ce qu'il a vraiment un talent inné ou est-ce que c'est pareil par le travail? Qu'est-ce qui fait qu'il est si fort en ce moment? Après, je pense que on est tous différents. Je veux dire que chacun vient un peu différemment, mais après, ils ont douillé quelque part, ils ont facilité pour jouer. Mais je pense que ce qui est important, il adore les jeux d'échecs, il aime bien. Donc après, il est doué, il est talentueux. Ça, c'est sûr. Mais après, donc il aime bien, il travaille aussi. Effectivement, ok. Et du coup, t'as fait aussi quelques séances avec Marc-André Amoretti Oui, d'entraînement. oui, Est-ce oui. qu'on peut les comparer ou est-ce qu'ils sont totalement différents? Est-ce qu'il y a des ressemblances entre les deux profils ou est-ce qu'ils sont complètement différents? Je pense qu'il y a seulement une chose qui rassemble, ils ne veulent pas travailler tous les deux, parce que c'est ça, le travail, organiser le travail qui c'est plus dur. D'accord. Donc, on doit travailler, c'est ça, c'est plus dur. Travailler. Mais Oui. après, je pense que tous les deux est doués, talentueux, D'accord. avec les petites différences, mais je pense que Marc-André, si il sera plus organisé, il peut faire mieux qu'Alireza aussi. Ok, ça marche. Donc, du coup, vous êtes récemment monté en top 16 maintenant avec votre équipe. Est-ce que là, vous avez recruté pas mal de gens aussi dans l'équipe. Est-ce que tu peux me présenter la nouvelle équipe de Chartres de top 16? Oui, mais après, je pense que, comme je vous dis, à l'époque, c'est notre équipe, ancienne équipe, c'est Sergei Tiviakov et Zoltan Medvegi, c'est un grand maître hongrois qui joue avec moi depuis 14 ans en Bundesliga. D'accord. Tiviakov aussi, il a joué Bundesliga avec moi, il était au CSKA avec moi. Donc, après, on a invité Ivanchuk à un moment. Moi, je voudrais les stratégies. Pour moi, j'aime bien quelqu'un qui joue aux échecs. Donc, Ivanchuk, pour moi, c'était le meilleur candidat et on a réussi à recruter aussi, justement, pour top 12. Après, on a invité un autre joueur azéri avec notre moyen, parce que je vous dis qu'à l'époque, on n'avait pas de cette moyen, parce qu'on devait réserver un joueur qui est assez compatible. Donc, Raf Mamedov, donc il était le meilleur joueur aux Olympiades plusieurs fois. Donc, grâce à Loïc, l'équipe d'Azerbaïdjan est devenue champion d'Europe. Donc, Raf Mamedov, qui à un moment était classé à peu près 2700. Bien sûr. Donc, il joue dans notre tournoi aussi. Donc, il avait joué un match aussi contre Maxime Lagarde, qui est nouveau dans notre équipe. Et justement, il y a 2 ans, on a recruté, quand on a monté, je vous dis qu'à l'époque, j'ai invité Mamed Yarov et j'ai regardé aussi pour les jeunes. Donc, Alireza Firouzja qui est venu bon moment pour nous. Donc, on n'a pas raté cette chance. Et maintenant, cette année, on a recruté Maxime Lagarde, qui, je pense qu'il est en train
progressionne, ils veulent progresser aussi. Je pense qu'il doit essayer de passer 2700. Et après, je pense qu'il a, il est assez talentueux aussi pour être plus fort. Donc, il a des potentiels encore. Après, c'est Marc-André Amorozzi. Donc, ça, c'est notre futur. Donc, ça, c'est une mélange, on peut dire, entre les joueurs expérimentés et jeunesse. Donc, c'est ça, l'équipe, c'est Ivanchuk, Alireza Firuja, Vassili Ivanchuk, Rauf Mametov, Sergei Tiviakov, et moi, et Zoltan Medvegi, Maxime Lagarde, comme français, moi et Marc-André Morizet, et bien sûr, notre chartrain, Victor Stéphane. Très bien. Et la féminine, du coup? Féminine, c'est toujours Marina Martinovskaya. Donc, elle était avec nous toujours. Donc, elle était avec moi aussi. Donc, Tchèskens aussi. À l'époque, c'est grâce à elle que l'équipe de Tchèskens montait au top 16. Donc, c'est grâce à elle que l'équipe montait à top 16. Bien sûr que les échecs féminines souffrent en France, on peut dire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses de haut niveau. C'est clair. Donc, ça, je pense qu'on doit faire quelque chose que les échecs féminines se développent aussi. Donc, bien sûr qu'on a envie de recruter les joueuses. Bah, vous avez eu des montées quand même là, C'est qui va ça, donc. bientôt démonter Oui. Cornette. Oui, elle deviendra française, donc Ouais. elle deviendra française, donc ça c'est notre féminine, oui, ça c'est. Mais comme c'est pas officialisé, donc c'est pour Bien ça sûr. que j'ai un Bien sûr. peu. Donc Merci. c'est ça, c'est notre équipe, donc démantelée en ce moment. Ok, bah, énorme équipe. Énorme équipe. Ouais, vous pensez que vous avez des chances de remporter le top 16 ou vous visez peut-être pas direct le titre? Pour moi, vous savez, objectif sportif, pour moi, c'est la deuxième chose. C'est plus important de créer une équipe D'accord. où l'atmosphère, ça, c'est plus important. Donc, et après, je pense que c'est une équipe qui est capable à tout. Donc, il n'y a pas de doute sur le talent de ni Alireza Firuja, ni Vassili Ivanchuk. Et je pense que même sur moi, je suis confiance parce que les joueurs qui sont là, donc ils ont les meilleurs, et je pense, Maxime Lagarde, Marc-André Amorozzi. Donc c'est une équipe qui est assez forte et Ok, bah, qui mérite hyper cool. de mériter les premières places si tout se passe bien. Ok, très bien. Bah, nickel, nickel. Bah, on va suivre ça. Moi, je joue pour Mulhouse cette année, donc je vais suivre ça avec attention. On va sûrement se rencontrer. Enfin, si, dans le cas où ça se tient, bien sûr, parce que là, c'est pas clair du tout qu'il y aura un top 12, enfin un top 16 l'année prochaine, hein, on espère de tout cœur, mais c'est pas clair que ça se tient non plus. Donc bon, on verra comment ça se passe avec la situation sanitaire en France. Mais en tout cas, ça va être, je pense que ça va être un top 12 passionnant. En tout cas, de mon côté, je vais le vivre à fond. Et du coup, par rapport à un truc qui a pas vraiment à voir avec le top 16, est-ce que tu trouves que la conception des échecs en Azerbaïdjan elle est différente de celle en France? Et est-ce que tu penses que c'est plus culturel qu'en France? Et dans les écoles, comment ça se passe en général la situation des échecs comparée entre Azerbaïdjan et France? Oui, mais je pense que, vous savez, la différence, c'est entre les sociétés. On était un pays ex-soviétique. On a sorti du socialisme, on peut dire. Donc, ça fait la différence. Mais après, en Azerbaïdjan, c'est
même pas seulement en Azerbaïdjan, dans tous les pays ex-soviétiques, c'était bien structuré. D'accord. Ce qui était bien, comme les philharmonies, comme la musique, vous pouvez apprendre les jeux d'échecs dans une école spécialisée aux échecs. D'accord. Et justement, je dois ajouter que les Gary Kasparov, c'était l'originaire d'Azerbaïdjan à l'époque. C'est grâce à lui qu'il était ouvert les écoles d'échecs partout. Donc, j'ai appris les jeux d'échecs dans une école spécialisée aux échecs. Donc, après, pour les tournois, la France est mieux organisée, l'Europe est mieux organisée, mieux structurée. Donc, il y a différence. Il y a différence, mais je pense que on est dans bonne dynamique en France, au développement, justement. Donc, ça développe. Et même, je pense que depuis que je suis en France, j'ai resté en France parce que je voyais que ça se développe aussi, les jeux d'échecs en France. Très Je très cool. pense que on voit la différence aussi à l'époque où on est trouvé dans l'équipe France. Il y avait des moments, je m'appelle bien tous les joueurs des anciennes générations, Aldo Hayek, Chérif, et notre Bachar Koatli aussi. Donc, mais aujourd'hui, vous trouvez les top joueurs, Maxime Vacher-Lagraff qui est au top 3, on peut dire top 5. Donc, et même partout, dans toutes les écoles, on apprend les jeux d'échecs. Mais je veux dire que ça, c'est bien poussé, l'échec se développe en France. Mais il faut tenir cette dynamique. Moi, je regrette voir annuler les tournois, etc. C'est pour ça que, de mon côté, j'ai essayé de faire maximum pour tenir la dynamique aux échecs, le développement aux échecs. Ok, bah super cool. J'aime beaucoup cette mentalité où il faut aller de l'avant et il faut tout faire pour faire grandir la communauté des échecs en général. Mais du coup, je voulais aussi te poser des questions, pas forcément par rapport aux échecs, mais aussi un peu pour que les gens te connaissent en tant que personne, parce qu'effectivement, on est joueur d'échecs, mais on est aussi une personne à part entière, n'est-ce pas? Donc, je voulais te poser des questions un peu hors échec. Déjà, t'étais quel genre d'élève à l'école? Moi, ok, je dois un peu raconter mon histoire et mon origine encore. Je suis dans un village en Azerbaïdjan. D'accord. Donc, j'étais le meilleur dans l'école. J'étais une élève exemplaire. Et pour ça que quand j'avais 14 ans, mon prof mathématique de maths qui m'a envoyé à Bakou pour faire études, il pensait que j'ai des talents et je dois développer ces talents. Et 2 dernières années, j'ai passé à Bakou dans une école spécialisée en mathématiques. Donc, moi, ce qui ça m'a aidé aux échecs aussi, j'étais mieux organisé. Donc, j'aime bien travailler et organisation. Même, je peux dire que quand j'étais étudiante, entre semestriel, j'avais le temps dans mon village, je pouvais travailler aux échecs dans une condition tranquille, confortable. D'accord. Ok, donc tu as toujours été bon élève, quoi. Je voudrais une chose que mes profs ne m'oublient pas. Donc, j'ai très bonne relation avec tous mes profs. Donc, Trop trop chaud, hyper cool. je suis leur fierté aussi. Ok. Tu préfères les chats ou les chiens? Comment? Tu préfères les chats ou les chiens? Moi, je préfère tous les deux, je pense. T'aimes bien les animaux? Oui. Ok, cool. Parce que justement, on peut parler, ils ne peuvent pas partager leurs sentiments, etc. Donc, mais je pense qu'on est dans le même monde, on est dans les mêmes racines. Donc, on est vivant. Donc, pour moi, c'est un monde comme notre, quoi. Mais c'est un peu différent. Justement, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, etc. Donc, ça. C'est pour ça qu'on doit le comprendre aussi. Ouais, Même je carrément. et pour moi, c'était une myth qui c'est dans les
compte dans l'histoire, on écrit qu'il y a quelqu'un qui connaissait la langue des oiseaux. Mais après, je ne sais pas si ça existe, les langues des oiseaux, vraiment. T'es plutôt pâte ou pizza? Tu préfères les pâtes ou la pizza? On peut dire plutôt pizza. Pizza? Tu parles combien de langues? Je parle 5-6 langues. Wow! Je parle. C'est pour ça qu'en France, j'ai appris l'anglais aussi. Ouais. Donc, et ça, c'était une ancienne expérience. Quand, première fois, quand j'ai signé le contrat avec l'équipe en Allemagne. Donc, l'allemand, c'était ma langue dans l'école, c'était ma D'accord. première langue étrangère. Ok. Donc, je parlais l'allemand. Je pensais que ça, c'est l'occasion pour pratiquer mon allemand en Allemagne. Mais le problème, quand le capitaine d'équipe m'a rencontré, il commençait à parler en anglais. Après, je me suis dit, c'est pas mal, je vais pratiquer, je vais apprendre l'anglais. Donc, depuis, en Bundesliga, je parlais toujours anglais et allemand. Donc, je parle l'anglais, l'allemand, le russe, turc, azéri Français. et français. Wow, ça fait beaucoup là. Ça fait vraiment beaucoup. Incroyable. Du coup, t'as voyagé pas mal, je suppose, dans ta vie. C'est quoi ta ville préférée au monde? C'est quoi l'endroit le plus beau que t'es jamais visité? Non, après, pour moi, j'ai gagné un tournoi à Guadeloupe. Ah. C'était le voyage plus long, plus loin. Après, la ville, pour moi, bien sûr, c'est Paris, Istanbul. Je pense que ça, c'est géographiquement et bien situé entre tout. Donc, c'est splendide. Donc, et Rome. Ok, trop bien. En termes de personne, qui tu préfères dans les échecs en tant que personne? Moi, je peux être sincère aussi. Moi, j'ai jamais caché. Moi, Vas-y. j'avais. Moi, pour moi, c'était plus important les relations humaines avec tous les joueurs. Mais après, j'avais toujours une relation amicale avec Christian Boyer. Mais donc, c'est un joueur que je préfère. Il était combatif aussi. J'aimais beaucoup. Et en plus, je l'ai suivi toujours. Pour moi, c'est un exemple de combativité, toujours. Mais après, bien sûr qu'avec tous les joueurs, je suis en très bonne relation. Ok. Et quelle est la personne que tu détestes le plus aux échecs? Je dois réfléchir. Après, ça, c'est difficile. Moi, Si tu réponds à cette question, tu seras le premier. Personne n'a voulu répondre, bizarrement. Après, encore une fois, parce que j'étais prof, peut-être c'est ça. Moi, je ne suis pas 100% joueur d'échecs. Ouais. Moi, je renseigne les jeux d'échecs. Parce que quand j'ai appris les jeux d'échecs à mon fils, les buts qu'il développe, justement, cette relation. Moi, les dernières fois au championnat de France, j'ai dit aux parents que moi, je pense que c'est plus important de rencontrer les gens. Ça fait une raison pour le futur. Tout à Donc, fait. c'est pour ça que je ne veux pas, comment dire, diviser les gens entre. Mais. Ok, très bien. Ça marche. Est-ce que t'as vu The Queen's Gambit, la série sur les échecs? Mais en réalité, j'ai regardé toutes les analyses, toutes les. Comment dire, votre stream aussi, les streams aussi chez Russes aussi, on peut dire. Mais les Gambits ont accepté, j'ai apprécié parce que les Gambits acceptés, c'était mon ouverture préférée. Donc, c'est pour ça que toutes les parties qu'ils jouent, ça, c'est quelque chose qui fait plaisir à moi. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Mais après, on peut critiquer, bien sûr, mais il y a des choses aussi qui. Mais.
Pour moi, c'est déjà bien qu'ils parlent de nous. Il y a des films sur l'échec. Ouais, grave. Mais après, par exemple, j'ai préféré peut-être les films de Alekhine, donc parce que son destin qui était un peu différent, un peu et peut-être je peux dire tragique, mais je pense que je préfère la neige de la Russie, la neige blanche de la Russie, parce que c'est le film de Alekhine, mais je ne me rappelle pas exactement comment c'est appelé en français, cette D'accord. film. Ça marche, bah. Donc, mais après, je vais essayer de regarder parce que dans le dernier temps, j'étais assez occupé. Mais ils ont même envoyé le lien pour voir. Donc, je vais regarder parce que après, j'ai suivi parce que tout le monde analyse, faire leur critique sur ce Ouais, c'est film. clair. Il y a tous les genres de chats qui se mettent à analyser cette série, c'est clair. Si tu devais choisir un pouvoir magique, ça serait lequel? Je te donne des choix. Par exemple, tu peux lire dans les pensées, tu peux te téléporter, tu peux Non, voler, vous tu peux être savez, invisible. pour Vas-y. moi, il y a seule chose dans la vie. Moi, j'étais intéressé par la philosophie aussi. Seule chose que je voulais savoir, arrêter le temps. Parce que Arrêtez le le temps, temps. je suis, c'est la seule chose que je ne peux pas arrêter. Giga bien. Ok, trop cool. si on te versait à l'instant 1 million d'euros sur ton compte en banque, qu'est-ce que t'en ferais? Oh, bien sûr que ça, mon rêve, même je vous dirai la vérité, moi je me lançais dans le trading en 2011. J'étais entraîné dans les banques et c'était HSBC. Je voulais devenir trader. Ok. Mais là-bas, ils ont me posé la question aussi. Mais moi, j'ai dit que je veux monter un club d'échecs ou ouvrir une école d'échecs. Ils pensaient que je peux ouvrir comme ça aussi. Je n'ai pas besoin de. Donc, si j'avais 1 million, bien sûr que je voulais monter un centre d'échecs avec toutes les conditions qu'on peut prendre plaisir et jouer aux échecs. Bah t'es trop pur pour ce monde, t'es trop gentil. Mmh. pour finir, réponds par vrai ou faux à ces préjugés échiquéens. Donc, est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec la devise de la FIDE, Gens una sumus? Nous sommes une famille. Oui. Est-ce que les échecs sont un sport pour toi? Un sport? Ouais. Oui. Est-ce que tous les Il genres y a d'échecs. pas Oui. seulement un sport plus difficile. Oh. Il est plus difficile que boxe pour moi. Est-ce que tous les genres d'échecs sont intelligents? Oui, ils sont assez intelligents, ils peuvent réfléchir. Oui, ça c'est vrai. Je veux dire qu'à cette, on peut diviser, mais après, ça c'est relatif. Tu ne peux pas être grand maître et avoir un autre métier à côté. Comment? Tu peux pas être grand maître et en même temps avoir un autre métier à côté. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus, parce Bah, que je. c'est-à-dire, est-ce que les grands maîtres aux échecs, ils sont pro d'échecs, mais ils peuvent pas faire d'autres choses à côté, par exemple. Non, moi, je vous dirais une chose, j'ai fait plein de choses à côté. Je Ouais. pense que justement, les joueurs d'échecs peuvent faire beaucoup de choses si ils développent bien ses capacités au monde. Ok, nickel. Ah oui, effectivement, on a le titre du film, ça s'appelle The White Snow of Russia, le film sur Alekhine. Ok. Oui, c'est ça, la neige blanche de la Russie, oui. Ok, très bien, très bien. Pour être bon aux échecs, il faut commencer jeune, avant 10 ans. Après, le temps, vous savez, pour moi, c'était relatif. Et pour ça qu'on peut attraper le temps. Vous avez dit que je suis devenu grand maître à 30 ans. Donc, pourquoi pas, vous pouvez commencer à 10 ans. Après, ça dépend comment vous travaillez. Moi, pour moi, vous pouvez commencer dans n'importe quel âge. Ok. Les femmes sont moins fortes que les hommes aux échecs à classement Elo égal. Classement des lois et. Si une femme et un homme ont le même classement Elo, est-ce que la femme sera moins forte que l'homme?
Et je pense que les femmes soient moins fortes parce que dans ma carrière, plus fort joueuse que j'ai battue, plus fort joueuse que c'était une femme, elle était championne de l'URSS à l'époque. C'était Aina Sofieva, elle était grand maître féminine. Et moi, j'avais 15 ans, je l'ai battue dans un tournoi. Je pensais que les femmes, par rapport au classement, c'est moins fort. Est-ce que s'il y a moins de femmes fortes que d'hommes forts, c'est uniquement une question de statistique? Comment? Est-ce que s'il y a moins de femmes fortes que d'hommes forts aux échecs, c'est une question de nombre, c'est parce qu'on est moins nombreuses. Non, ça, on est moins nombreuses. Pourquoi? Parce que ça vient de la société. C'est la question de la société où on vit. Peut-être un jour, les femmes peuvent être plus fortes. Ça, c'est notre vie qui était comme ça. Donc, et tout dépend de notre condition. Et pour ça que je vous dirai une chose. Moi, j'étais dans un pays qui il n'y avait pas de conditions pour développer mes capacités au bon moment. Sinon, moi, je pensais que je pouvais être dans le top 50 facilement où je pouvais. Mais après, il y a des conditions réelles, on peut dire. Donc, on vivait comme les femmes étaient défavorisées toujours. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, bah j'espère que t'as bien aimé cette interview. Voilà, c'est fini. Les petits gars dans le chat, si vous avez des questions pour Naming, n'hésitez pas, c'est le moment pendant qu'on fait le débrief là, 2-3 minutes. Et puis, si vous avez des questions pour Naming, n'hésitez pas, c'est le moment. Et voilà, j'espère que moi, de mon côté, j'ai beaucoup aimé faire cette interview avec toi, Namig. C'était Oui. très intéressant, j'ai trouvé. Non, bien sûr que moi, quand j'ai fait le tournoi d'échecs, c'est pour ça qu'un des objectifs, c'était partager, discuter avec les jeunes. Donc, et pour ça que depuis longtemps que ça nous manque, les tournois d'échecs, voir notre ami, donc ça me fait du bien parler d'échecs avec vous aussi. Et je veux encore une fois saluer tous les spectateurs qui nous suivent en direct. Donc, je sais qu'il y a des gens qui me connaissent ici. Donc, c'était un plaisir pour moi aussi de passer cette interview avec vous. Et on a juste une question de la part de Néo. Quel conseil pour passer maître international? Est-ce qu'il y a des conseils pratiques à donner ou c'est tout simplement travailler et puis ça viendra si ça viendra? Oh, ça viendra, il faut que ça vienne aussi. On doit travailler avec les objectifs toujours. Il faut mettre les objectifs, il faut. Mais ça viendra si on continue, mais si on ne recule pas, ça viendra. Mon principe, il faut essayer une fois. Si ça ne marche pas, il faut essayer deuxième fois. Si ça ne marche pas, il faut essayer jusqu'à là que ça vienne. Donc, si. Donc, je pense qu'il faut travailler, mais après, c'est sûr qu'il faut travailler correctement. Ça, c'est très important. Donc, il faut lire des livres au moins si vous n'arrivez pas à trouver un bon entraîneur ou une bonne méthode. C'est la méthode qui est efficace. C'est pour ça que moi, je suis d'une école et représentant d'une école soviétique parce que je pense que grâce à l'école programme, méthode soviétique que je pouvais devenir même grand maître à 30 ans parce que j'ai arrêté jouer entre 23 ans et 28 ans. Donc, D'accord. j'ai recommencé ma carrière juste en France, on peut dire. Ok, ouais, donc pour toi, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui te guide, hein, finalement. Non, après, on peut. Si on est assez intelligent, si on arrive à faire différence et comment dire, travailler avec les matériels, vous pouvez. C'est juste que pour quelqu'un qui est déjà passé cette étape, avec lui, c'est plus facile. Donc, c'est ça les avantages aujourd'hui que vous pouvez D'accord. obtenir, voir un entraîneur en ligne tout de suite. Parce que dans mon village, il n'y avait pas d'entraîneur. Et pour ça que quand j'ai commencé à travailler avec les gens, parce que je sais qu'il y a des gens qui manquent d'entraîneurs. Ouais. Méthode. Tout à fait, ouais. Ouais, effectivement. C'est clair que maintenant on a tellement de ressources et tellement même de gens qui sont
disponible pour travailler, que c'est clair que on a beaucoup plus de moyens qu'avant pour Oui, réussir. en tout cas, je pense que je conseille jouer plus et je travaille plus que jouer sur Internet. Ça. Ça marche. Retenez ce conseil, travaillez plus que faire des boulettes jusqu'à 3 h du mat. Apparemment, c'est pas productif. Ça. Ok, bah nickel, bah merci beaucoup. Ah oui, non, si, une dernière question. Comment tu fais pour jouer aussi vite et pour quand même gagner les parties? Après, justement, il y a des travaux que je fais à la maison. Ça, c'est le produit des travaux que je fais à la maison. Donc, Ok, pour donc moi, t'es confiant en tes capacités finalement. oui, les choses que j'ai fait sur l'échiquier, déjà, j'ai rencontré et j'ai pratiqué sur l'échiquier. Donc, D'accord. après, bien sûr qu'il faut améliorer les calculs. D'accord. Après, les calculs dans tous les niveaux, c'est différent. Mais ça, après, comme disait Anne, il faut jouer vite et bien. Une toute dernière question. Est-ce que tu as eu du mal à battre les jeunes dans le tournoi énorme de GM à Chartres? Non, mais je voudrais une chose. Vous savez, avec l'âge, avec mon travail, c'est quoi la différence entre entraîneur et joueur? C'est différent parce que quand vous êtes entraîneur, vous portez les capacités d'être joueur. Il y a certaines qualités que vous devez garder. Mais après, moi, je voudrais une chose. Si j'étais assez motivé, je pouvais battre tous les joueurs. Ça, et moi, j'ai fait à l'époque, j'ai fait 8 sur 9 une fois à Paris Multicom. Il y a les Fressinets qui étaient derrière moi avec 2 points de retard. Seulement chez Kachev qui compris que je suis en pleine forme. Il proposait nul avec le blanc dans une position correcte. Après, Tal Aberge qui était perdante, il a eu chance, on peut dire. Mais après, ça dépend, parce que en ce moment, ce n'est pas facile. Quand vous ne pratiquez pas les jeux d'échecs, certaines qualités on oublie, on doit s'entretenir. Donc, mais après, je vous dirai la vérité que déjà, je pouvais faire plus de points. Après, justement, je dois me motiver. En tout cas, je pense que jusqu'à top 12, top 16, pour moi, c'est l'objectif le plus important. Je serai en pleine forme. Ok, très bien, très bien. Et ben, on remercie Namig pour cette interview, c'était vraiment très très bien. Les gens ont l'air super contents dans le chat. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pour que je continue à organiser des trucs comme ça, si ça vous plaît. Moi en tout cas, ça me rend très très heureuse que ça vous plaise. J'ai mis du cœur à l'ouvrage comme d'habitude. Voilà, n'hésitez vraiment pas à soutenir si vous le pouvez. Et puis, merci beaucoup, Anamique, bien entendu, d'avoir répondu présent. Je vous retrouve, moi, demain pour le stream avec la communauté surprise. Et puis, je vous dis donc à demain. Merci, Anamique. Merci à vous et bonne continuation à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao les gars, salut, salut, la bise.